Élection reportée, pas d'élection pour cette année. Du point de vue du parlementaire Zakaël Boniface, les élections n'auront pas lieu cette année, tant que le pouvoir ne sera pas remis entre les mains de celui qui a été à l'origine du soulèvement populaire de 2009, en l'occurrence le président de la transition. Ce dernier a élaboré des projets pour Madagascar, il avait défini des objectifs, et pour y parvenir, il fallait procéder à la destitution du régime en place. Aussi longtemps que ces objectifs ne seront pas atteints, aucune élection ne sera organisée, a déclaré Zakaël Boniface. Le président de la transition veut faire autant que son prédécesseur, en restant au pouvoir pendant 7 ans au moins, a-t-il poursuivi. Ce parlementaire considère par ailleurs que la feuille de route est devenue caduque, puisqu'elle n'a pas été respectée. Aussi, il estime que le temps est venu de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, et partant, d'organiser un référendum constitutionnel avant de réunir les mouvances politiques.